Eh bien, bonjour à tous, on va venir un petit peu sur ce jeu Fire Emblem Dynasty que j'avais commencé sur la série X, que j'avais bien avancé, et je me suis aperçu que je ne vous avais jamais présenté ce petit jeu. Donc c'est un jeu qui est assez vieux, hein. Bon, ils ont fait Fire Emblem Dynasty, après il y a eu Lumberjack Dynasty, et il y a eu Medieval Dynasty, et donc j'ai dit tiens, mais pourquoi pas me remettre un petit peu sur celui-là. Donc on va repartir sur ça. Surtout. Salut Stéphane, comment tu vas ? Ça va, Julien. Et du coup, j'ai vu qu'il sortait le Fameur Dynasty 2 sur PC qui était en démo. Donc, il tardera pas à arriver sur console par la suite. Donc, on va commencer notre petite histoire. Parce que dans cette histoire, faut être gentil avec vos voisins. Faut se marier, avoir des enfants, alors s'occuper de la ferme en même temps et tout ça. Vous allez voir, c'est assez sympa. Donc on commence avec des vieux trognons de tracteurs et tout ça. Vous allez voir, c'est sympa comme jeu. Alors. Je rêvais ferme Dynasty 2, j'ai hâte qu'il arrive aussi. Ouais, mais il n'est pas prévu pour tout de suite. Hein. Pour l'instant, il n'est que sur PC. Hein. Bonjour, je m'appelle Oliver et je suis ton voisin. Je m'occupe de cette ferme depuis le décès de ton grand-père. Enchanté, Oliver, et merci de ton aide. Donc, si je comprends bien, c'est mon héritage. Oui, cette ferme et le terrain qui l'accompagne sont à toi à présent. Bienvenue dans notre comté. Merci, je connais pas grand-chose à l'agriculture, mais j'apprends vite. Ne t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Et puis tu sais, on se serre les coudes par ici. Suis-moi, je vais te faire visiter les lieux. Alors graphiquement, c'est pas parti. Une tuerie non plus. Hein. Vous pouvez voir, c'est pas... Surtout les Panchis, hein, sont... Voilà, les personnages sont pas très... Oh, tu avances, non? Tu veux pas avancer? Si, ça y est. Parce que donc c'est un jeu d'agriculture, mais en même temps, on doit rénover notre baraque... On va pouvoir la repeindre, on va pouvoir la réparer, on va pouvoir faire pas mal de choses. La ferme est en pile. Le 2, je trouve qu'il a à peu près les mêmes graphiques que l'un. Ah, oh, ils sont un peu meilleurs quand même. Je trouve qu'ils étaient un peu meilleurs. Voici ta maison. Le toit aurait bien besoin d'être tapé, mais tu pourras t'y reposer ou encore stocker de la nourriture. Tu devras remettre cette ferme à neuf par toi-même. Rassure-toi, tu en seras bientôt capable. Suis-moi. Voici le garage dans lequel seront stockés tes véhicules. Bon, il est vide pour le moment, mais tu en auras rapidement besoin. Ton grand-père n'a jamais fini le dernier étage, mais si tu peux t'offrir les matériaux de construction, tu pourras retaper le bâtiment. Voici ta grange. Elle est vide pour le moment, mais tu pourras y stocker le foin pour tes animaux plus tard. Mais colmate ses fuites avant toute chose, sans quoi tout va pourrir à la première averse. Le bétail de ton grand-père a été vendu. Tu devras racheter tes propres animaux. L'étable est vieille et aurait bien besoin d'être tapée. Mais elle peut encore faire l'affaire. Tu peux te charger des réparations. Pour commencer, colmate les fuites pour que les animaux ne tombent pas malades. Je vois que tu as été prévoyant et que tu as ramené tes propres outils. Parfait. Commence par réparer cette porte. Elle refuse de s'ouvrir. La porte devrait s'ouvrir maintenant. C'est parti.
construis un échafaudage et grimpe sur le toit pour l'inspecter. Allez, on va... Qu'est-ce que ça dit là-haut? Redescends quand tu en auras terminé. On doit y aller. Suis-moi. Après, on pourra racheter des matériaux neufs, on va pouvoir... Vous allez voir, c'est... Donc c'est un jeu ouais, qui est très très long à faire quand même, hein, si vous voulez le faire pas mal de choses, donc voilà, on y viendra de temps en temps, voilà. C'est pareil, j'avais commencé Lumberjack, Lumberjack normalement il devrait arriver d'ici peu, parce que je l'ai recommandé, mais bon j'attends qu'il arrive, parce que pour le moment il n'est pas là. Donc dès qu'il sera là, c'est pareil, je le lancerai. Et même à la limite, Lumberjack est plus intéressant que Farmer Dynasty par lui-même. Moi j'ai préféré du moins. Hop, allez. Hop. Tu peux stocker les céréales que t'as récoltées dans le silo. Tu pourras ensuite les utiliser ou les vendre. Mais avant d'utiliser le silo, pense à le réparer. Voyez, vous avez une vision aussi pour... Voici la serre. Tu pourras y cultiver des légumes pour ensuite les revendre. Mais avant cela, tu devras colmater les fuites pour bénéficier de rendement maximum. Je vois que ton grand-père a acheté du matériel pour la réparer. Tu peux l'utiliser pour remettre à neuf ta serre. Tu te débrouilles bien. Je suis sûr que tu vas gérer cette ferme d'une main de maître. À vrai dire, j'ai peut-être du travail pour toi. De quoi il s'agit? Ma grange aurait besoin d'être retapée. Tu penses que ça pourrait être dans tes cordes? Le toit est bien endommagé et les murs auraient besoin d'un coup de neuf. Je n'ai pas beaucoup d'argent, mais je peux t'offrir mon vieux tracteur si ça t'intéresse. Je suis sûr qu'il pourra t'être utile. Parfait. Dans ce cas, compte sur moi. Alors, Bon, je dois rentrer chez moi. Bonne chance et à plus donc tard. Donc, on va aller le voir, de toute façon, ce monsieur-là. On va retourner le voir. Mais comme j'ai... les DLC... Je vais vous montrer... Hop. Normalement, j'ai un tracteur qui traîne quelque part par là. Voilà, ici. Et là, on va le ramener quand même.
Alors, vous avez aussi des champignons ramassés, des baies et tout ça. On va s'en servir pour cuisiner, pour faire des recettes, pour se nourrir, parce qu'il faut se nourrir aussi dans ce jeu. C'est une partie du début de ta reprise. Oui, c'est une partie que j'ai repris du début. C'est une partie que j'ai reprise du début. Je suis reparti à zéro. S'il n'y a pas des champignons à ramasser par là. Non, moi, il y a des baies aussi à ramasser. J'ai pris les deux DLC. Ah, ouais. Mais moi, j'ai pris le DLC Pologne. Franchement, il est sympa, le DLC Pologne. On va aller voir par là, s'il n'y a pas de... Le temps qu'il arrive, Olivier, là. Il est passé où, Olivier ? D'accord. Ah oui, il est là. Pas maintenant, je regrette. T'as terminé ce que t'étais censé faire ? Ah bon, d'accord, ok. On se parle plus tard.
Donc, là, on a fini nos travaux. Et donc, on va aller voir. C'est ce que j'appelle du bon boulot. Merci. Bon, comme je te l'ai dit, je n'ai pas beaucoup d'argent. Mais ce Jack Bear est à toi. Ça devrait déjà bien te dépanner jusqu'à ce que tu puisses acheter un nouveau tracteur. Ouais, je suis un peu ricrac, mais je pense que je vais avoir besoin d'autres machines agricoles. Tu devrais parler aux habitants du coin. Je suis sûr qu'ils auraient bien besoin de tes services. Tu vas avoir besoin d'une charrue, d'un semoir peut-être, et j'ai vu qu'il y a déjà une herse dans ta ferme. Bon courage en tout cas. Je vais demander autour de moi. Merci. Donc voilà, j'ai aidé le monsieur à réparer sa grange, et du coup, il me donne son tracteur. Donc déjà, tous les premiers matériaux qu'on va voir, ça va être ça. Hein. Faut pas écraser les champs des voisins parce que sinon vous perdez des points sociaux et les points sociaux on en a besoin. Retaper la maison tout doucement.
Tu en penses quoi du jeu Lumberjack The Dynasty? Eh ben écoute, moi je l'avais, c'est sympa, hein. C'est sympa. C'est le dans le même style que celui-là. Hein. Moi je l'ai commandé là, j'attends qu'il arrive, je sais pas quand c'est qu'il va arriver, je sais pas. Parce que j'ai commandé en CD. C'est la même chose, c'est bon, c'est ça se passe dans les bois. Tu penses qu'on le finira en combien de temps? Celui-là? J'en sais rien. Ça va dépendre de jusqu'à où je vais aller. Parce que c'est pareil que t'as pas de fin ce jeu-là. C'est tant que tu cultives, que tu récoltes, tu le finis pas. Et Lumberjack, c'est pareil. C'est la même chose. C'est exactement la même chose, selon qu'il y en a un qui est l'agriculture et l'autre c'est le forestier. Oui, parce que là j'ai vu qu'il était à 10€ Lumberjack The Dynasty. Ouais, mais c'est, je te dis, c'est exactement la même chose que celui-là. Après, c'est si tu. Après, c'est du forestier l'autre, hein, c'est pareil, c'est du forestier. Parce que moi je l'avais fait sur la série X. Il est sympa aussi, hein. Et puis j'ai mes points pour prendre les cartes de PlayStation. Ouais, mais tu sais qu'il y a notre DLC de bus qui va arriver, hein. Pour faire le bus. Avec deux nouveaux bus. Des Interlink qui arrivent. Qui vont arriver. Et c'est prévu pour quand les DLC bus? J'en sais rien, je sais pas quand c'est qu'ils vont tomber. Je sais pas. Je sais qu'ils arrivent, mais quand là c'est bon, ça c'est bon. Hop. Voilà. Déjà, c'est une bonne chose, on a réparé la maison. Euh...
Ferme Dynasty, c'est bien, c'est un jeu de détente. Ouais, salut, mais moi. Je m'appelle John. Si tu cherches moi, j'aime bien. Dans le coin, je suis ton homme. Oh, je vois. Qu'est-ce que tu vends? Un peu de tout et de rien. Des clous, du savon, de la nourriture. Bref, t'as compris le topo. Ah oui, j'achète aussi de la nourriture, sait-on jamais. Rien d'extraordinaire, mais des pommes, du poisson, des champignons peut-être. Tu vois l'idée? Ok, c'est bon à savoir ça. Allez, à plus. Ok, tu sais où me trouver dans tous les cas. Moi, quand je l'avais fait sur la série X, Fermeur Dynasty, je m'étais marié, j'avais deux enfants, j'avais retapé la maison complètement. Ah, ça fait plaisir de te revoir. J'avais acheté pas mal de terrain. Ça te dit de faire affaire? Bien sûr, qu'est-ce qu'il te faut?
Alaskan Road Truckers est réannoncé dans les sorties récentes sur PlayStation 5. Je sais pas si tu l'as vu. Ouais, j'ai vu le 11 juillet, il sort. Je l'ai vu, ouais, j'ai vu. J'ai vu ça, j'ai vu aussi Tomb Raider 1 et 2 qui sortent en CD, ça y est. Qu'est-ce que j'ai vu aussi, que je dis, tiens, il y a ça aussi. Et tu vas le prendre. Je sais pas. Je sais pas pour l'instant, je sais pas, parce que je voudrais savoir s'il sort en CD, mais apparemment non. Il y a aussi Test Drive qui arrive au mois de septembre. Alors celui-là, je sais pas du tout si je vais le prendre, parce que c'est une connexion permanente, alors je sais pas. Comme moi, les connexions permanentes, j'en veux plus. Je pense pas que je le prendrai. Alaskan Road Truckers, moi il me tente, je vais sûrement le prendre. Je sais pas encore, je sais pas si je le prendrai, je sais pas encore, je sais pas trop. Parce que moi ce qui m'embête, c'est qu'il soit pas en CD. S'il est pas en CD. S'il sort en CD, je le prends. S'il sort pas en CD, je sais pas. Ça ne m'étonne pas du tout. C'est vrai, je l'ai entendu à la télé. C'est exactement ce que je me disais.
ça fait plaisir de te revoir. Je peux t'aider ? Ça te dit de faire affaire ? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il te faut ? Salut toi, ça te dérangerait de me donner un petit coup de main ? Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Mon frère bosse à l'étranger. Il était censé rentrer la semaine dernière, mais son contrat a été prolongé. Il faudrait labourer et hercer un de mes champs. Tu penses que tu pourrais t'en charger ? Utilise la vieille charrue qui est là-bas près de la grange. Tu pourras la garder quand tu auras terminé. Mon frère a l'intention d'en acheter une nouvelle de toute façon. Je te promets rien, mais je vais voir ce que je peux faire. Salut. Bonjour. Merci. Allez, à plus. C'est ce qu'on nous rabâche à longueur de journée.
Bonjour. Oh, bonjour. Bonne chance, et à plus tard. T'as pas des soucis, ça me prend pas. On peut discuter ? Bonjour. Merci. Allez, à plus. Bonjour. Bonjour. Merci. Allez, à plus. Ah, ça fait plaisir de te revoir. Je peux t'aider ? Ça te dit de faire affaire ? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il te faut ?
Ah, ça fait plaisir de te revoir. Je peux t'aider ? Ça te dit de faire affaire ? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il te faut ? Ah, il me faudrait une dernière saucisse et j'arrive pas à la trouver. Pas maintenant, je regrette. Bonjour. Bonjour. Il fait plutôt beau pour la saison, pas vrai? C'est clair. C'est tout. Merci. Une saucisse, j'en ai pas. Est-ce que je puisse en acheter ici, mais c'est étonnant. De toute façon, on va s'arrêter là pour cette vidéo et on verra ça plus tard parce qu'il faut que je trouve quelqu'un qui... avec des saucisses parce qu'il faut que je lui donne encore une saucisse à lui là, à Rex, et pour pouvoir l'adopter. On va s'arrêter là et on va laisser ça tranquille et puis on reviendra plus tard. Allez, je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao.